Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, supporters du Barça. Supporters du Barça, bienvenue à vous. Je vais faire une petite vidéo imprévue parce que bon, moi le petit ravi de Simon, sous Simone, sous je ne sais pas comment on dit, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Bref, le petit prodige, le crack du centre de formation de la Masia du Barça, un centre de formation qui... Maintenant, on va pas se mentir, du côté de Barcelone, le centre de formation, il est un petit peu délaissé. Avant, le Barça, leur force ben, se faisait justement par ce centre de formation, hein, avec les Messi, les Busquets, les Iniesta, les Xavi, les Piqué, les en veux-tu, les en voilà. Ben maintenant, tu as l'impression qu'il n'y a plus quasiment plus personne qui sort de la Masia. Il y avait Pedro aussi, rappelez-vous. Enfin, et maintenant, tu as l'impression qu'il n'y a plus personne qui sort de la Masia, du Barça. Parce que maintenant, le projet du Barça... comme l'a très bien confirmé d'ailleurs Griezmann, qui a dit je donnerai tout pour Messi. Et ben en fait tu te rends compte que ben voilà le projet de jeu du Barça, c'est pour ça que maintenant ils arrivent plus à rien pratiquement en Ligue des Champions, que c'est plus aussi exceptionnel qu'avant, parce que la faiblesse du Barça pour moi c'est d'avoir délaissé sa Masia et d'avoir voulu faire un recrutement un petit peu, enfin changer de politique de recrutement et de plus baser sur cette fameuse Masia et sa philosophie de jeu qui faisaient leur force dans les années 2011-2012 avec les Xavi et compagnie. Voilà. Maintenant, le projet du Barça, c'est plus un collectif, tout donner pour le collectif, pour l'équipe, etc. C'est donne la baballe à Messi, donne tout à Messi. Et si tu ne te soumets pas à Messi et tu ne donnes pas tout pour Messi, ben Messi, ben il te dégage. Oui, parce que c'est lui qui décide un peu de tout dans ce club. Donc voilà, les gars, ben, ça profite à qui? Ça profite au PSG, le jeune crack, le jeune prodige du Barça. Numéro 8, hein, je précise, milieu relayeur, donc a signé 3 ans officiellement au Paris Saint-Germain. Je vais pas vous mentir, je n'ai jamais vu jouer le gamin. Tu vois, moi, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Après, les vidéos sur YouTube, c'est un peu trompeur. En plus, dans les vidéos que j'ai vues, il joue face à des gamins de son âge. Là, c'est vrai que maintenant, il est comme ça, il est tout maigrichon, comme une petite crevette. Hein, c'est un bébé, il a 16 ans. Il a 16 ans. Donc, je pense que si tu le fous en Ligue 1 cette saison, vu le gabarit qu'il a, il risque de voler. Mais voilà, il a signé 3 ans. Le PSG l'a fait signer pro à 16 ans seulement parce que contrat de stagiaire, mais il aurait pu se barrer gratuitement dans un autre club. Donc là, au moins, tu as la sécurité qu'il est engagé au PSG, il a un contrat et que si quelqu'un le veut, il faudra payer. Voilà. Mais moi, j'ai envie de le voir jouer. J'ai envie de le voir jouer, peut-être pas cette année, hein, le temps qui se muscle un peu, qui arrive à la fin de sa croissance, à sa maturité physique. Mais pourquoi pas comme Mbappé l'année prochaine à 17 ans dans le grand bain pour casser les petits cucus, comme on dit. Voilà. Non, sérieux, je suis content parce que moi, si on peut faire chier les Catalans, non, je peux pas insulter, c'était un petit jeu de mots. Mais si on peut faire chier les Catalans, moi, ça me va très bien parce qu'il y a une guerre entre le PSG et le Barça. Hein. Il y a eu De Jong, il y a eu Neymar, il y a eu machin, il y a eu ceci. C'est chaque année, en fait, il y a entre le PSG et le Barça, ça se dispute. Et là, ben, franchement, ça fait chier le Barça, quoi. Bon, même s'ils ont délaissé leur centre de formation, eh ben, au moins, tu vois, ça fait chier au moins les supporters, les Beaugrana, les Catalans de Franche-Comté et puis de Picardie, qui n'ont rien à voir avec l'Espagne, et puis qui sont là, Visca Barça, Visca Barça, mon oncle, il est catalan. Alors que son oncle s'appelle Jean-Claude, il est au PMU du coin, il a pas plus de sang espagnol que j'ai des vers aux fesses. Voilà. Bref, les amis, bah moi je suis très content, bienvenue à ce petit crack. Alors, il faut faire attention, j'ai vu le gamin, il a 1,6 million d'abonnés sur Insta, il a déjà Nike comme sponsor, il a déjà Mino Raiola comme agent, il a plein de sponsors à ses pieds, le gamin il a que 16 piges, imaginez, 1,6 million d'abonnés, c'est plus que l'OM et l'Olympique Lyonnais. Donc attention au gamin de ne pas prendre le boulard et de complètement tomber. Voilà, j'espère qu'ils vont le laisser un peu tranquille et qu'on le garde au chaud pour les prochaines, on le sort et puis voilà. Voilà les amis, bah très bonne nouvelle, très gros coup de Leonardo et du Paris Saint-Germain. Je suis très content. Demain, petite vidéo spéciale sur les indésirables au PSG que j'aimerais qu'ils quittent ou encore le club cet été. Donc demain, on se retrouve pour cette vidéo-là. Sur ce les amis, prenez soin de vous et allez pas.